On parle souvent des Jeux olympiques de 1936 à Berlin comme exemple de compétition dans les années 30 organisée dans un de ces pays avec une dictature d'extrême droite. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube principale Histoire d'apprendre. Mais on parle souvent beaucoup moins de la Coupe du monde de foot de 1934, 2 années plus tôt, qui eut lieu dans l'Italie fasciste de Mussolini. Et qui va faire l'objet de beaucoup moins de campagnes de boycott parce que nous étions à l'époque dans une situation où la France et globalement les démocraties occidentales voulaient bien s'entendre avec l'Italie fasciste pour éviter son rapprochement avec l'Allemagne nazie. Donc il fallait éviter de vexer le voisin italien et il y aura peu de campagnes de boycott dans une Coupe du Monde qui pourtant fera l'objet aussi de quelques tricheries, d'un arbitrage favorable pour permettre à l'Italie de gagner à tout prix la Coupe du Monde. Comme ce sera aussi un peu le cas lors de la Coupe du Monde en Argentine en 1978. Là aussi, vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre et publication sur Facebook sur la Coupe du Monde de 1934.